Tu viens de rentrer du travail, tu es fatigué. Donc, voilà ton seau d'eau. Il y a environ 4 litres d'eau là-dedans. Tu as besoin de quoi? Tu prends ton sel, ok? Sel de couleur rouge. Tu mets 2-3 pincées de sel. Rouge, c'est pour la purification. Et tu mets ton sel rose. Voilà. Généreusement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'aider à enlever les mauvaises énergies sur ton corps. Tu vas dans la journée là, non? Tu as parlé avec les gens, tu as fait tout plein de choses. Tu travailles dans un service où tu as plein de personnes qui passent et tu es fatigué. Tu parles à trop de personnes là. Tu prends le psaume 35. Tu lis donc, Seigneur. Seigneur, accuse mes accusateurs. Assaille mes assaillants, Seigneur. Prends armure et bouclier. Élève-toi à mon aide, Seigneur. Brandis la lance. Tu lis donc cela, tu tournes. Bon, si tu es musulman, tu ne lis même pas. Ok? Tu tournes comme ça. Seigneur, on me débarrasse de toute mauvaise énergie de cette journée. Comme je viens me verser cette eau sur moi, je déclare ma libération, je déclare ma restauration. Je déclare que cette nuit-ci, là, je vais voir dans mes rêves, là, ceux qui me dérangent, là, ceux qui font mon mal, là, tous ceux qui me voulaient, je sais pas, me tuer. Seigneur, montre-moi le visage des gens qui me veulent ma mort. Tu parles sur ton eau, bien même là, ok? Après ça, tu vas d'abord te laver avec ton savon, ok? Tu te laves, tu finis, tu enlèves tout le savon là sur toi. Après, tu viens maintenant prendre l'eau aussi. Tu verses sur toi en parlant. Moi, tu vas dormir comme un bébé. Les rêves que tu vas faire, tu vas confirmer.